Une histoire qui n'est pas prête de s'arrêter. En 1997, Victoria et David Beckham se rencontraient pour la première fois lors d'un match de Manchester United. Un an plus tard, le couple se fiançait avant de se dire oui le 4 juillet 1999. Très amoureux, ils ont alors rapidement souhaité fonder une famille et ont eu 4 enfants, Brooklyn, 23 ans, Romeo, 20 ans, Cruz, 17 ans, et Harper, 11 ans. Si le couple semble très amoureux, la styliste a fait effacer son tatouage représentant les initiales de son mari, qui se trouvait à l'intérieur de son poignet. Le signe d'un divorce imminent? Jeudi 13 octobre 2022, sur le plateau de Today Show, Victoria Beckham a confié « J'ai eu ces tatouages, il y a très longtemps et ils n'étaient pas particulièrement délicats. Le mien était juste trop épais, saignait un peu et il n'était tout simplement plus aussi joli. Il n'était tout simplement plus aussi beau. Cela ne signifie rien de plus que cela. » Elle a ajouté dans la foulée, les médias ont commencé à spéculer, est-ce que je quittais mon mari? Non. Je n'avais juste un peu marre du tatouage. Si est-il aussi simple que cela? Le 4 juillet 2022, à l'occasion de leurs 23 ans de mariage, Victoria Beckham avait fait une belle déclaration d'amour à son mari. Sur Instagram, elle avait en effet écrit, ils disent qu'ils n'estent pas drôles, ils disent que je ne souris jamais, ils ont dit que ça ne durerait pas. Aujourd'hui, nous fêtons nos 23 ans de mariage. David, tu es tout pour moi, je t'aime tellement. De son côté, David Beckham avait écrit, il y a 23 ans aujourd'hui, Poche est devenue Madame Beckham, mais elle sera toujours Poche. Joyeux anniversaire. Waouh, 23 ans et 4 beaux enfants. Je t'aime, nous t'aimons tous. Lundi 2 mai 2022, à l'occasion du 47e anniversaire de l'ex-footballeur, la jolie brune avait partagé sur Instagram, « Je t'aime tellement David, tu es le mari le plus incroyable dont quelqu'un peut rêver et je me sens profondément béni. Tu es tout pour moi. » Victoria Beckham, j'ai de la chance de l'avoir comme âme sœur amoureuse, la jeune femme avait confié dans les colonnes d'Allure, en mars 2021, je suis fière d'avoir toujours une très bonne vie sexuelle avec David. Je suis la femme de David Beckham, avec qui je me retrouve au lit tous les soirs. Je serais traitée de menteuse si je disais préférer dormir. Sur le plateau de The View, en 2019, Victoria Beckham avait déjà confié, David est le mari le plus merveilleux et un père fantastique, une vraie inspiration pour nous tous. J'ai de la chance de l'avoir comme âme sœur. En 2018, pour Forbes, elle avait indiqué, j'essaie d'être la meilleure épouse et la meilleure femme d'affaires, quand je rentre à la maison, j'essaie de décrocher le téléphone et de passer du temps avec les enfants et de passer du temps avec David.